Bonsoir, Salinga. Salut, Mona. Quel numéro? La 7. Bonsoir, ma belle. Sur le rouge. Les deux sont faits. Rien ne va plus. Rien ne va plus. Le 27 rouge impair et passe. Oh. Décidément, ce n'est pas ton jour. Rouge impair et passe. Je vais encore tenter ma chance. Tu pourrais me prêter 200 marques? J'espère que tu sais ce que tu fais. Cette fois, c'est la bonne. Alors, bonne chance. Deux jetons, s'il vous plaît. Deux fois 100, voilà. Un à cheval sur le 4 et le 7. Le 4 et le 7. Et un sur le 5. Le 5. Mesdames et messieurs, faites vos jeux, s'il vous plaît. Le 21 rouge, impair et passe. Je m'apprêtais à mettre les poubelles dans le conteneur, juste là, quand soudainement mon regard a été attiré par un morceau de cravate. Oui. Cette pièce provient du montant du lit de la chambre numéro 7. Dites-moi, qui s'occupe de l'entretien ici? C'est moi, vous voyez, monsieur le commissaire, ça fait partie de mon travail ici. Merci, ce sera tout, monsieur Sérieux. Margot Schultz, directrice de ce motel, il m'a prévenu par téléphone. Commissaire principal, Farlander. Oui, alors, pour revenir à ce que je disais, quand j'ai vu cette cravate, j'ai remarqué qu'il y avait du sang, et je me suis approché et j'ai vu ça. Si ça peut te remonter le moral, beaucoup d'autres avant toi y ont laissé leur argent. Dostoïevski. Tu te rends compte qu'en 1865, il a perdu 3000 roubles en jouant ici? Oui, et tu sais ce qu'il a fait quand il s'est retrouvé sans sous? Non. Il a écrit son roman Le Joueur en 26 jours seulement, comme quoi la misère peut pousser certaines personnes à l'exploit. Alors? La seule chose que je sache faire avec un stylo, c'est de remplir des feuilles de soie. Ah oui, c'est vrai, vous les dentistes, vous êtes toujours en train de tirer le diable par la queue. Ce n'est pas une si mauvaise idée. Quoi? Que je m'acquitte des 500 marques que tu m'as prêtées aujourd'hui en te soignant les dents. C'est une bonne idée, mais mes dents sont en parfaite santé. C'est ce qu'on dit toujours. Prenons rendez-vous et quand tu seras sur le fauteuil, on verra. Non, en ce moment, je n'ai vraiment pas le temps. On peut faire ça en dehors des heures de bureau. Ah oui? Ah, ils y sont allés tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes bien monsieur Theo Weibenburger? Oui. Commissaire Farland. Qu'est-ce que vous voulez? Nous aimerions vous poser quelques questions. Pourriez-vous nous suivre au commissariat? Et pour quelle raison? Je vais vous la donner, bien qu'à mon avis, vous la connaissiez déjà. Votre père a été assassiné cette nuit. Au motel Margot, un lieu que vous fréquentez. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui vous surprend tellement, monsieur Weibenburger? La mort de votre père ou de nous voir chez vous aussi vite? Mais... je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Vous êtes un éventuel suspect. Moi? Voici ma femme, Sophie. Bonsoir, madame. Tu as entendu ça? Oui. Est-ce que tu es allé dans ce motel? Je... écoute, je t'expliquerai plus tard. Attendez. Je ne sais absolument rien. Nous verrons ça au calme dans mon bureau. Mais puisque je vous dis que je ne sais strictement rien... Je regrette, mais je vous place en garde à vue. C'est impossible, vous devez faire erreur. Sophie, appelle tout de suite Maître Franck. Je ne vois plus qu'une seule chose à faire pour sauver cette soirée du désastre. Si tu t'es mis en tête de m'arracher une dent, alors n'y compte pas. Non. Je me disais simplement qu'on pourrait prendre un dernier verre chez moi.
Ah, si tu me soignes de cette façon, alors ça me plaît davantage. Excuse-moi. Oui? Oui, c'est Renner, j'écoute. Et où est-il? Oui. Oui, je m'y rends tout de suite. C'est cela, je vous tiens au courant, oui. C'est toujours comme ça. Excuse-moi, mais le devoir m'appelle. Comment est-ce qu'on dit dans ton métier déjà? Ah, une urgence. Tu avais raison, Renner. C'est vraiment pas mon jour. Ça ne tient pas debout. Quel genre de fils tuerait son propre père pour ensuite jeter son corps dans une poubelle? Je vais pleurer à vous écouter. Les faits sont là, monsieur Weibenburger. Votre père a été abattu dans la même chambre où, auparavant, vous veniez de passer 2 heures en compagnie d'une prostituée. Oui, peut-être. Mais je n'ai pas la moindre idée de ce qu'il faisait là. Nous ne nous sommes même pas vus. Je suis arrivé chez moi un peu avant 10 heures, comme d'habitude. Et cette femme avec qui vous avez... Mona. Eh bien, elle est partie quelques minutes avant moi. À quelle heure le corps a-t-il été découvert? 22h15. Et l'arme du crime? Un tube en métal provenant du montant du lit. On l'a trouvé près du corps, dans le conteneur. Est-ce qu'il y a des empreintes digitales? On l'examine en ce moment au labo. Et pour quel motif vous retenez mon client, au juste? Nous sommes en train d'y réfléchir. C'est très bien. Mais jusqu'à ce que vous ayez mené à bout votre réflexion, vous devriez relâcher M. Weibenburger. Oui, tout à fait. D'après les déclarations du veilleur de nuit, M. Weibenburger se serait présenté à la réception et aurait demandé son fils. Le veilleur de nuit lui aurait communiqué le numéro de la chambre. Alors, même avec la meilleure volonté du monde, votre client reste un suspect. Et je doute fort que le juge d'instruction soit d'un avis différent. N'anticipez pas, commissaire. J'aimerais m'entretenir avec mon client seul à seul, si vous le permettez. Mais allez-y, cher maître, je serai dans la pièce à côté. Je vous remercie beaucoup. Malheureusement, ces soupçons sont fondés. Tout est contre vous. Oh, mais ce n'est pas moi qui ai tué mon père. Même si j'en ai eu envie plus d'une fois. Si vous voulez un bon conseil, gardez ça pour vous. Et avant de déclarer quoi que ce soit, vous feriez mieux de me consulter. Oui. C'était la première fois que vous alliez dans ce motel? Non, c'était la 5e ou la 6e fois. J'y allais une fois par semaine. Et toujours avec cette Mona? Vous savez où on peut la joindre? Aucune idée, j'ai relevé son numéro dans le journal. Une petite annonce, mais je ne l'ai plus. Et comment faisiez-vous pour vous donner rendez-vous? Nous nous retrouvions tous les mercredis soirs. Et cette Mona, quel est son nom de famille? Je n'en sais rien. Et j'imagine que votre femme n'était pas au courant de ces petits rendez-vous galants. J'avais trouvé le club de sport comme excuse. Et votre père? Lui, jamais je ne lui aurais raconté. Il m'aurait donné une de ses corrections. Il était très à cheval sur les principes, c'était sacré. Par contre, en affaires, c'était tout le contraire. Je ne vais pas vous le décrire, vous le connaissez suffisamment. Oui, bien sûr. Bon, eh bien, pour l'instant, il n'y a rien d'autre à faire. Vous voulez que je transmette quelque chose à votre femme? Comment ça? Mais pas si vite. Est-ce que ça signifie que vous allez partir sans moi, me laisser là? Le commissaire a parfaitement le droit de vous retenir jusqu'à ce qu'on voit le juge d'instruction. Je sais qu'il va le faire. Mais avant même qu'il ne passe ma porte, il avait des idées toutes faites. Alors comment va-t-on savoir ce qui est réellement arrivé, hein? Que diriez-vous d'engager un détective privé? J'en connais un qui est excellent. Un détective privé? J'en sais rien, mais si vous pensez que ça peut m'être utile... Votre mari... Madame... Je vais maintenant s'y occuper. Votre mari a noté ici ce dont vous allez avoir besoin. Il espère que ce sera suffisant. Ah oui? Eh bien, il risque d'être déçu. Au train où vont les choses, les nerfs pourraient finir par prendre le dessus. Si vous le souhaitez, je peux vous obtenir une autorisation de visite. J'aimerais seulement savoir pourquoi il s'est tourné vers ce genre de femme. J'avais bien senti quelque chose, mais... Oh, et puis qu'est-ce que ça fait? Vous n'avez jamais cherché à vérifier votre intuition. Pourquoi faire? Vous avez songé à divorcer. Nos filles ont 12 et 10 ans, elles sont trop jeunes pour que je leur mette ce poids sur les épaules. Oh, mais où est donc passé ce banc d'expédition? Vous pouvez me dire ce qui ne va pas dans votre couple? Excusez-moi.
Oui, allô, j'écoute. Oui. Je sais. Je suis vraiment désolée, mais il y a eu un décès dans notre famille et nous avons pris un peu de retard. Oui, mon beau-père, oui. Oui, enfin non, je vous promets que le camion sera dans votre cour à 14h précise. Oui, merci. Au revoir. Quel genre de rapport entretenait votre mari et son père? Théo? Eh bien, Théo se taisait devant son père, comme nous tous. Le vieux le menait à la baguette. Ah, le voilà, ce bon d'expédition. Il répétait sans cesse, nous vivons du transport, nous devons avoir la même rigueur qu'à l'armée. C'est d'ailleurs pour ça que toute la famille vit sous le même toit, pour que tout le monde lui obéisse au doigt et à l'œil. Il était comme ça. Avec vous aussi? Oh, ça dépendait. J'ai essayé de me tenir le plus possible à l'écart de l'entreprise. C'était déjà bien assez que Théo se tue au travail jour et nuit et décharge sa frustration sur moi. Mais globalement, ça se passait bien avec son père. C'était pas la même chanson avec son frère. Dès que Hans faisait quelque chose de travers, sa barbe est sec. Donc ce serait Hans qui aurait le plus souffert des rapports avec son père? Oh, peut-être, à une certaine époque, mais il a vite appris à ne plus ouvrir la bouche. Quand ça devenait intolérable pour lui, il partait à son club de moto. Veuillez m'excuser, mais comment on va faire pour le chargement? Ah, attendez. Voilà, je vais vous donner le planning. Faites en sorte d'être chez Bielefeld à 16h30. On n'y arrivera jamais. Ah, surtout si on discute ici plus longtemps. Hans est là? Non. Il avait une course à Salzbourg. J'espère qu'il sera de retour dans la soirée. Il n'est pas encore au courant de ce qui est arrivé. Madame Weibenberger, pensez-vous que votre mari ait été capable de tuer son père? Je ne crois pas qu'il aurait pu faire une chose pareille, pas contre son père. Mais qu'est-ce que j'en sais? Quelqu'un? Bonjour, beau gosse. Alors, besoin d'une chambre? Bonjour, belle dame. Je m'appelle Matula. J'enquête sur l'affaire Weibenberger. J'aimerais parler à votre veilleur de nuit. Il dort encore. Vous n'êtes pas flic, vous aussi? Je suis détective privé. Et vous, vous êtes la patronne? Mm-hmm. Ça, n'importe qui l'aurait vu au premier coup d'œil. Margot, c'est ça? Oui. Vous permettez que j'interroge votre veilleur de nuit? Oh, il est grand temps qu'il se lève, de toute façon. Suivez-moi. Ouais. Allez, Alfred, lève-toi. Un détective veut te voir au sujet du meurtre. Excusez-moi, s'il vous plaît. Ouais. Tu mettras ça sur la 17? D'accord. Dites, cette Mona, c'est quoi son nom de famille au juste et où est-ce qu'elle habite? Je n'en ai pas la moindre idée. Personne n'a de nom de famille ici. Les filles téléphonent pour faire leur réservation, elles arrivent et prennent la clé, le reste, ça ne nous concerne pas. Et le prochain rendez-vous de Mona, c'est quand? Ça, la police nous l'a déjà demandé. Mm-hmm. Eh bien, d'après le registre, c'est vendredi à 20h, mais ça peut être annulé. Vous avez vu l'heure qu'il est? J'ai déjà dit à la police tout ce que je savais. Et alors, tu vas tout recommencer à zéro? Monsieur Matula, je vous présente Alfred Salinger, c'est généralement lui qui fait les nuits. Ravi de vous connaître. Oui. Qu'est-ce qui vous a engagé? Théo Weibenberger. Vous pourriez, M. Salinger, me raconter ce qui s'est passé hier soir? Oui. Eh bien, un peu avant 22h, le père de Théo est entré ici. Il m'a dit qu'il avait rendez-vous avec son fils, mais qu'il avait oublié le numéro de la chambre. Weibenberger, c'était un nom que vous connaissiez? Non, mais il m'a dit que l'Audi gris métallisé appartenait à son fils et qu'il venait ici tous les mercredis soirs entre 20 et 22 heures. J'ai donc immédiatement su qui c'était. Et vous avez sans hésiter donné le numéro de la chambre à cet homme? Oui, je m'en mords les doigts maintenant. Jamais j'aurais pu deviner que ça allait mal tourner. Il a quand même donné la pièce, non? Oui, et alors? Quelle impression vous a-t-il faite? Il avait l'air en colère? Oh, je n'ai pas fait attention. Vous l'avez vu se rendre à la chambre 7?
Bah, je ne vois vraiment pas où il aurait pu aller. Vous savez à quelle heure son fils ou Mona ont quitté les lieux? Non. Mais il y en a bien un des deux qui a rapporté la clé, non? Ici, les clients laissent la clé dans la serrure. C'est une habitude de la maison. Très bien, je crois que ce sera tout pour aujourd'hui. Si jamais un détail vous revenait, ce serait gentil de m'en informer. Ça me ferait plaisir si vous repassiez un de ces jours. À plus tard. Joseph, quel joli prénom. Margot, c'est pas mal non plus dans le genre. Allez, salut. Salut. Monsieur Weibenburger prétend ne jamais avoir rencontré son père dans ce motel. C'est logique, je dirais la même chose à sa place. Aucun d'entre nous ici présents ne peut affirmer avec certitude ce qui s'est passé entre le moment où le veilleur de nuit a parlé avec le père de mon client et le moment où il a retrouvé. Vous usez de subterfuges. Que voulez-vous qu'il se soit passé? Monsieur Weibenburger a abattu son père dans la chambre 7 et puis a dissimulé le corps dans le conteneur. Ça saute aux yeux. Du reste, il savait pertinemment que personne ne connaissait son identité dans ce motel. De quelle façon aurait-il pu savoir que son père avait mentionné son nom au veilleur de nuit? C'est absurde. Mona connaissait mon nom. Et ça, nous le saurons quand nous l'aurons retrouvé. Mais venons-en à l'arme du crime. Aucune empreinte digitale. Elle a été soigneusement nettoyée. Voyons, n'importe qui aurait pu faire ça, non? Bien sûr. Mais il se trouve justement que n'importe qui n'aurait pas pu choisir précisément cette arme. Il s'agit d'une barre en métal provenant du montant du lit. L'assassin savait donc que le montant était en mauvais état et qu'il pourrait retirer la barre. Et pour cela, il fallait forcément que ce soit un habitué de la chambre 7. Un argument fort intéressant. Oui, et quel serait le mobile du crime? Pourquoi mon client se serait-il débarrassé de son père? D'après les témoignages que nous avons recueillis jusqu'à maintenant, M. Weibenburger n'était pas un homme à tolérer une aventure extra-conjugale entre son fils et une prostituée. La famille était on ne peut plus sacrée à ses yeux, n'est-ce pas? Et je présume que c'est pour cette raison qu'il a voulu que vous lui donniez des explications. Vous le supposez, monsieur le commissaire. Tout ceci n'est qu'une supposition. Où sont les preuves? Dans ce cas, donnez-moi une autre raison plausible. Qu'est-ce qui aurait poussé monsieur Weibenburger à se rendre dans ce genre d'endroit? Je persiste à croire qu'il avait la ferme intention de prendre son fils en flagrant délit et de lui demander des explications. C'est logique. À votre place, je dirais la même chose. Peut-être qu'il vous avait menacé de ne pas vous laisser l'entreprise. Ou même de vous mettre carrément à la porte. Peut-être n'aviez-vous plus envie non plus de vous faire constamment mener à la baguette, de l'avoir toujours sur le dos. C'est certainement ce qui vous a conduit à vous débarrasser de lui en vous emparant de cette barre. Mais bon sang, puisque je vous dis que je n'ai pas assassiné mon père, je suis innocent. Peut-être pas un meurtre, mais un homicide. Je crois que c'est là une raison suffisante pour que M. Weibenburger ne réchappe pas à la justice. En s'enfuyant, si vous décidiez de le relâcher maintenant. Madame le juge, le discours que tient monsieur le commissaire depuis tout à l'heure contre mon client n'est basé que sur de simples soupçons. Il n'a contre lui que des présomptions, mais aucune preuve significative. Mais cette succession de soupçons est très éloquente, maître Franck. J'accorde l'ordre d'arrestation. Monsieur Weibenburger sera placé en détention provisoire. Oh, là, j'en reviens pas. Ah oui, aujourd'hui, si c'est possible. Et l'homme est-elle Margot, vous connaissez? Non, quel dommage, une prochaine fois peut-être. Merci, au revoir Mona. Celle-là non plus, ça n'a rien donné. Vous avez une autre Mona? Ah, on est mal parti, hein. Je vais vous dire une chose. La réussite est due à 90% à la persévérance. Parole de Mathula. Une autre Mona. Oh, incroyable ce qu'on trouve là-dedans. Sadomaso, je comprends ce que c'est, mais un G majuscule et un P majuscule, alors là... Ah, peut-être bien grosse poitrine. Allô, Mona, bonjour, c'est Joseph. J'aimerais qu'on se rencontre ce soir, si possible. Oui, à 22h, à la réception. Eh bien, c'est parfait. Au motel Margot. Naturellement, je connais. Oui, je sais où il se trouve. J'aimerais jouer d'avance. Très bien. Alors, à ce soir. Ça y est, on tient la Mona de ton client. Bravo. Félicitations. Eh bien, on ne doit pas s'ennuyer avec elle. Z-K-F-F-F-E-A-E-Z-A. Quel programme! Eh ben, tu vois un peu ce qui t'attend ce soir? Et alors, si c'est bien fait? Comment ça s'est passé de ton côté? Weibenburger a été arrêté. Eh, peut-être à juste titre. Imagine que sa femme ait découvert ses escapades du mercredi soir. Qu'elle ait prévenu le vieux pour qu'il lui remette les idées en place.
Et là, ça a peut-être été la goutte qui a fait déborder le vase. Tu pourrais travailler chez les flics, toi. Eh non, ils payent encore moins que toi. Alors, mets-toi à ton compte. Demande-toi plutôt si Weibenberger n'est pas en train de payer pour quelqu'un d'autre. C'est toi la tête pensante, non? Oui, mais penser n'est pas suffisant. Occupe-toi donc du frère, il s'appelle Hans. Lui, il a un alibi en béton, il était à Salzbourg. Justement, raison de plus pour aller vérifier son alibi. C'est un truc à grignoter, ça? J'ai un petit creux. Ah, vas-y, sers-toi. Merci. Et qu'est-ce que c'est que cette horreur? C'est du cœur, c'est pour Rumba. Oh, Rainer, je ferai tout ce que tu voudras, mais d'abord, il faut que je mange quelque chose. Mm-hmm. Vous êtes bien chez Joseph Matula, détective privé. Je suis absent pour le moment. Laissez-moi un message et je vous rappellerai dès mon retour. Bonjour, Joseph. Ici Margot. J'ai du nouveau pour vous. Ça concerne Mona. Allô, Margot, c'est moi. C'est agréable d'entendre une voix sympathique. Qu'est-ce qui se passe? Je suis bien contente de vous trouver, Joseph. Mona vient de m'appeler à l'instant. Elle a rendez-vous avec quelqu'un ce soir à 22h. Vous êtes un ange. Mais là, je suis déjà au courant. Quoi? Comment ça, vous le saviez déjà? Oh, allez, à vous, je peux bien le dire. Mona a un rendez-vous avec moi en personne. Elle croit que je suis un client. Ah, voilà pourquoi. Je lui ai dit aussi qu'il fallait qu'elle contacte la police de toute urgence. Et j'en ai profité pour lui demander son nom de famille. Elle s'appelle Monika Trich et habite Rumünsgasse. Vous êtes épatante. Merci mille fois, Margot. On se verra tout à l'heure. Un vrai petit bijou de la haute précision. Ouais, c'est une belle machine. Ça fait longtemps qu'il me fait rêver. J'aurais parié les fesses des mains que jamais tu m'aurais laissé cette machine à un prix raisonnable. Attends une minute, qu'est-ce que t'entends par raisonnable? C'est cadeau, alors tu feras mieux de te manier ouais, avant que je change d'avis. Ça va, tiens. Tu repasses au club? Non, pas aujourd'hui. Et t'as intérêt à en prendre soin, tu sais combien j'y tiens. Salut. Allez, on y va, le cool. Bonjour. Hans Weibenberger. Qu'est-ce que vous voulez? Je m'appelle Matula, je travaille pour le compte de votre frère. On peut discuter un instant? Ah, alors c'est vous le détective? Je veux bien discuter avec vous, mais pas maintenant, j'ai trop de trucs à faire. J'imagine que ça peut attendre demain. Oui, oui, on a du temps devant nous, oui. C'est votre frère qui est en taule, hein, pas le mien, ça vous fait rien ça? Si, ça m'ennuie, et même beaucoup. Ah. Mais bon, il faut bien que quelqu'un s'occupe de faire tourner la boîte. Alors chaque chose en son temps, d'accord? Alors quand? Demain. Demain matin, je serai là à partir de 7h. Entendu. À demain.
T'es là? Salut, c'est toi, Mona? Oui. Il est 22h. Un rendez-vous, non? Et comment? Je meurs d'impatience. T'es bien, c'est ce qu'il faut. Ah, bonsoir, Mona. Bonsoir, monsieur le détective. Je vois que vous vous êtes trouvé. Pardon, t'es qui, toi? Je m'appelle Matula et j'aimerais te poser quelques questions. Quel genre de questions? Je travaille pour Theo Weibenberger. T'ignores pas qu'il a été arrêté? Quoi? Tu m'as fait venir jusqu'ici pour discuter avec toi? Eh, on peut aussi prendre du plaisir en discutant. Ah oui, toi peut-être. Tu m'as l'air complètement givré. Mon temps à moi, c'est de l'argent. T'en as pas encore assez, malgré tout ce que Hans Weibenberger t'a donné tout à l'heure? Quoi? Qui? J'ai jamais entendu parler de lui. Ah, et si on ouvrait ton petit sac à main pour voir s'il y a une belle enveloppe à l'intérieur, pleine de billets neufs? Ne me touche pas, c'est clair? Laissez-la tranquille. Ne vous mêlez pas de ça, vous. T'as de gros ennuis, Mona. Crois-moi, ton intérêt, c'est de me parler. Mais attends, tire-toi. J'ai absolument rien à voir avec toutes ces salades. Ça va. Vaut mieux pour vous que vous vous en alliez. D'accord. Mais on a plein à se revoir, tous les deux. Et mes amitiés à Margot. Dis-moi, pour quelle raison le frère de Weibenburger t'a-t-il donné de l'argent? C'est mon affaire. Ça ne te regarde pas du tout. C'est sa voiture. J'ai curieux de savoir comment Hans va justifier le fait qu'il a donné autant d'argent à Mona. Ouais. Voyons s'il y a de la lumière. Non. Oh, hé! Monsieur Weibenberger! Oui? Bonsoir, madame. Maître Frank, si vous voulez voir Hans, il n'est pas chez lui, il est là. On peut monter une minute? Oui, je descends vous ouvrir. Merci. Désolé de vous déranger à une heure aussi tardive, mais nous devons éclaircir deux ou trois choses avec lui. Vous voulez boire quelque chose de chaud? Non, merci, nous resterons pas longtemps. Encore moi, je suis en avance. Bonsoir. Bonsoir, maître. Avez-vous rencontré Mona Tritch aujourd'hui? Qui est-ce? C'est la prostituée que votre mari voyait le mercredi soir. Tu la connais aussi? Vous m'avez surveillé? Oui, et je vous ai vu lui remettre une somme d'argent. Pourquoi? Hans, je t'en supplie, dis-le leur. Eh bien, elle s'est amusée à me faire chanter. Je crois que ça demande un éclaircissement. D'accord, je vais vous le dire. Peu de temps après mon retour de Salzbourg, elle m'a contacté. Elle m'a téléphoné. Mon frère avait dû lui parler de moi. Elle m'a dit qu'elle devait aller faire une déclaration à la police et qu'elle pourrait très facilement innocenter Théo. De quelle façon? Tout simplement en disant la vérité. Elle m'a dit qu'hier soir, sa voiture ne voulait pas démarrer et quand... Attendez. C'était quand, ça? Après qu'elle ait quitté la chambre du motel? Oui, exactement. C'est comme ça qu'elle a pu voir que Théo était sorti de la chambre un peu après qu'il soit parti en voiture. Il n'a donc pas pu tuer notre père. Elle m'a dit que si je voulais qu'elle raconte tout ce qu'elle savait à la police, il fallait que je lui donne 2000 marques, qu'on devait avoir les moyens. Si je comprends bien ce que vous êtes en train de dire, vous l'avez payé pour qu'elle dise la vérité. Mais qu'est-ce que vous vouliez que je fasse, bon sang? Elle voulait l'argent avant d'aller chez les flics faire sa déclaration. Et c'est peut-être pour ça que vous avez vendu votre moto. Non, vous n'avez rien trouvé de mieux. C'est la vérité, je vous le jure. Moi, j'ai une toute autre explication. Peut-être que vous avez payé Mona pour qu'elle dise à votre père qu'elle avait d'importantes révélations à lui faire sur Théo afin de l'attirer dans cet endroit et ensuite de le tuer. Quoi? Vous fabulez complètement. Et votre petite course de moto à Salzbourg vous assure un alibi en béton. Non, mais je rêve, vous êtes complètement dingue. Le père et le frère, vous faites d'une pierre deux coups. Vous ne supportiez plus d'être le souffre-douleur, c'est ça? Vous allez la fermer, oui. Vous vouliez la société pour vous tout seul, j'ai pas raison? Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour Théo, sans penser à autre chose. Mais pourquoi vous vous retournez c'est contre moi? C'est pas la peine pourquoi... de t'énerver, Hans, moi je te crois. Si ce que vous venez de dire est vrai, vous n'avez vraiment pas rendu service à votre frère. Et si c'est faux, ça sera bientôt à votre tour d'être derrière les barreaux.
Il y a un petit détail qui m'a frappé. Mona lui aurait dit que sa voiture ne voulait pas démarrer. C'est peut-être bien vrai. Au moment où elle est partie, lorsque je l'ai surveillée, elle a vraiment eu du mal à démarrer. Attendons de voir ce qu'elle va raconter à la police. Si elle témoigne réellement en faveur de Théo, c'est qu'elle n'est pas notre coupable. Ouais, en effet, mais c'est pas pour autant qu'elle lui a dit la vérité. Et peut-être qu'elle voulait seulement lui soutirer de l'argent. Je crois que tu devrais lui rendre une visite de courtoisie. Et ça, dès demain matin. À vos ordres. Mona n'a pas menti. Je suis vraiment sorti de la chambre tout de suite après elle. Elle a peut-être dit la vérité, mais le fait qu'elle ait accepté de l'argent lui enlèvera toute crédibilité. Il n'y a que nous qui le sachions. La seule chose qui compte vraiment, c'est que Mona m'innocente. Si pour faire sa déclaration, ils apprenaient que votre frère lui a donné de l'argent, alors là, vous ne seriez pas au bout de vos peines. Mais comment voulez-vous que ça se sache? Ce n'est pas Mona qui va s'en vanter. Oui, je l'espère. Peut-être qu'elle ne témoignera pas en votre faveur non plus. Et pourquoi? Il se pourrait qu'elle soit impliquée dans la mort de votre père. Il se pourrait même qu'elle soit de mèche avec votre frère. Je vous en prie, arrêtez. Ne me dites pas que vous croyez une chose pareille. Mona aurait très bien pu l'attirer dans ce motel en lui faisant miroiter certaines révélations à votre sujet qu'elle était prête à lui faire. Elle aurait attendu dans la voiture que vous soyez parti, puis elle serait retournée dans la chambre patienter jusqu'à l'arrivée de votre père, et elle l'aurait assassiné. Et elle aurait mis le corps dans le conteneur. Mais c'est impossible, réfléchissez. Quant à Hans, il est impensable qu'il ait quelque chose à voir là-dedans. Tout dépend dans quel état psychologique il se trouvait. Vous faites certainement allusion à l'attitude de mon père. Sa façon de le rabaisser tout le temps. Est-ce que Hans aurait souhaité être à la tête de l'entreprise à votre place? Ça, non. Et moi, je ne l'étais que sur les papiers. En pratique, c'était toujours le vieux qui tirait les ficelles. Et pour ce qui est de mon frère, il préfère mille fois bricoler ses moteurs ou être au volant d'une voiture. Il n'aurait voulu de mon boulot à aucun prix. Vous en êtes certain? Oui, mais ça veut dire quoi, être certain, hein? Je ne peux plus d'être là. Je suis innocent. Est-ce que vous me croyez, au moins? J'attends une réponse sincère. J'ai quelques doutes, vous pouvez vous imaginer, mais ne le prenez pas de façon personnelle. Tout le monde peut être considéré comme suspect. Je vous jure que ce n'est pas moi. Et ma femme, alors? C'est ce qu'elle pense aussi? Mais pourquoi est-ce qu'elle n'est pas encore venue me voir? Elle a bien le droit de me rendre visite, non? Oui, bien sûr. Oui. Elle n'a peut-être plus envie de me voir. Remarquez que je ne peux pas non plus lui en vouloir. Je ne l'ai pas toujours bien traitée. Je m'en rends compte maintenant. En fait, le vieux, il savait s'y prendre avec moi. Il savait m'influencer. Qu'est-ce que vous entendez par là? Eh bien, vis-à-vis des femmes, il était sur ses gardes. Je crois que c'était à cause de ma mère. Comment ça? Ma mère a voulu le quitter pour un autre homme il y a quelques années. On vivait encore en RDA. Mon père n'a jamais voulu en parler. Dès qu'on abordait le sujet, il changeait de conversation. C'est pour ça que je ne sais pas grand-chose. Il était policier avant que nous ne passions à l'Ouest. Et puis ma mère a tout de même décidé de ne pas nous quitter. Et c'est là que l'autre gars a complètement perdu la tête. Il a débarqué un soir à la maison, il était furieux. Il s'est emparé de l'arme de service de mon père et il a fait feu sur ma mère et il l'a tuée. Je n'étais pas au courant, je suis vraiment désolé. Maître Franck, il faut me faire sortir d'ici. Avant que tout ne se dégrade davantage.
Je vous tiens, Matula. Vous êtes entré par effraction et croyez-moi, vous allez le payer cher. Je vous l'ai déjà dit, la porte était entrouverte et comme personne n'a répondu à mon coup de sonnette, j'ai eu un doute. Alors je suis entré dans l'appartement pour vérifier, puis voilà. Pourquoi un doute? Pourquoi? L'instinct du criminologue, vous savez ce que c'est? Ça vous arrive jamais? Nous avons dans ce pays des lois rigoureuses, Matula, et j'entends bien les appliquer. Qu'est-ce que vous veniez faire chez Monica Trich? Je voulais qu'on discute. De quoi? Je travaille pour Monsieur Weibenberger. Je voulais lui poser des questions sur la nuit de mercredi. Comment avez-vous obtenu l'adresse de Mademoiselle Trich? Et vous n'êtes pas encore me sortir votre histoire d'instinct. J'ai fait ma petite enquête là où il fallait la faire. Le travail sur le terrain, ça vous dit rien, ça? J'en ai assez de vos sarcasmes, Matula. Je vous veux demain à 10h dans mon bureau. Et y a avec vous une déposition écrite, c'est clair? Ouais, je connais votre problème. Si vous l'aviez cuisinée un peu plus tôt, peut-être qu'elle serait encore en vie. Le meurtre de Mademoiselle Trich, témoin capital, prouve incontestablement l'innocence de mon client. Ah oui. Oui, quelqu'un a voulu empêcher Mademoiselle Trich de faire sa déposition, qui aurait aussitôt innocenté mon client. Ou incriminé le véritable assassin. Ceci prouve très clairement que M. Weibenberger est l'objet d'un complot. Décidément, vous avez une logique à toute épreuve. Très bien. Dans ce cas, vous allez certainement relâcher mon client, je présume. Je n'y vois absolument aucune objection, Maître Frank, à condition bien sûr qu'il y ait vraiment une relation entre les deux crimes. Et jusqu'à preuve du contraire, ce n'est que pure spéculation. Oui, bien, en ce qui me concerne, cette relation ne fait aucun doute. Peut-être que vous avez raison. Mais vous admettrez que cette fois, c'est vous qui manquez de preuves. Je suis désolé, mais vous comprendrez que dans ces conditions, je ne veuille prendre le risque de remettre en liberté votre client. Il est là-bas, derrière. Merci. Monsieur Weibenberger. Oui. Oh, encore vous. Monica Trich a été assassinée. Quoi? La nuit dernière. Où étiez-vous entre minuit et 2h? Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous avez le don de taper sur les nerfs des gens. Merci du compliment. Vous avez eu peur que votre mensonge soit dévoilé. De quoi parlez-vous? De vos propos, affirmant que vous avez bien payé Mona pour qu'elle dépose en faveur de votre frère. Pure invention. En fait, vous saviez qu'elle aurait témoigné contre lui. Vous en avez pas marre de vos salades? Elle était votre complice. Je vous préviens, j'en ai assez. Vous deviez à tout prix l'empêcher de dire la vérité. C'est pour ça que vous vous êtes débarrassé d'elle. Espèce d'ordure! Vous allez vous calmer, oui? Allez, debout. On vous paie pas pour écouter, alors barrez-vous! Alors maintenant, vous allez avoir l'extrême amabilité de me dire où vous étiez entre minuit et 2h. Chez moi, où vouliez-vous que je sois? Eh, vous n'avez donc pas d'alibi? Vous en avez un, vous? J'en ai pas besoin, moi. Écoutez, peu après que vous et l'avocat soyez repartis, je suis allé me coucher, j'étais fatigué. Vous avez qu'à demander à Sophie. Elle n'était pas avec vous? Bien sûr que non. Je l'ai entendu partir en voiture. Comme ça, dans la nuit. Intéressant. Merci. Mais bon sang, pourquoi cette juge est-elle si entêtée que ça? Ça me dépasse complètement. Oh, elle n'est pas entêtée, elle s'en tient seulement au fait. C'est son travail. Je sais, oui. Vous lui avez parlé de nos soupçons sur mon frère? Non, il est encore beaucoup trop tôt. Mais pour notre entreprise aussi, ça sera bientôt trop tard. Et pour mon couple. Et que mon frère soit suspecté, ça ne me plaît pas du tout. J'en arriverais presque à me demander si Sophie... Vous voyez, ça commence à ne plus tourner rond là-dedans. C'est pas étonnant que tout le monde me croie coupable. Calmez-vous, monsieur. Ce qu'on peut dire, c'est que l'assassin est en tout cas un individu qui connaît sur le bout des doigts votre vie familiale. Il n'y a pas grand monde, alors ça devrait pas être sorcier. Dites-moi, à propos de cet homme qui a tiré sur votre mère, vous savez ce qu'il est devenu? Non. Il a pris 12 ans de prison, c'est tout ce que je sais. Et puis, 5 ans après le drame, mon père, Hans et moi, nous sommes passés à l'ouest. Est-ce que vous vous souvenez comment il s'appelait? Oui, je m'en souviens. Son nom, c'était Diebold. Dans quelle ville s'est passé tout ça? À Eisenach. Mais pourquoi est-ce que vous me posez toutes ces questions? Tout simplement parce que ce dénommé Diebold fait partie des personnes qui ont un mobile. Il ne faut rien laisser de côté, je vais donc enquêter sur lui. Madame Weibenberger, vous vous êtes absentée la nuit dernière?
Qu'est-ce qui peut bien vous faire croire ça? Ce n'est pas vrai. Votre beau-frère vous a entendu. Alors, où êtes-vous allé au beau milieu de la nuit? Peut-être chez Monica Tritch. Pourquoi? Il fallait absolument que je la voie. Il fallait que je sache la vérité, vous comprenez? Je ne sais vraiment plus qui je dois croire. Je me disais que si on se voyait toutes les deux en tête à tête, peut-être qu'il en sortirait quelque chose. Mmh. Peut-être que Théo est vraiment innocent et qu'il ne mérite pas que je laisse tomber. Je devais la voir pour y voir plus clair. Écoutez, madame. Je crois qu'il y a une autre raison qui vous a poussé à aller la voir. Éliminer une personne encombrante. Pardon? Peut-être qu'elle était une menace dans votre projet d'éliminer aussi votre mari et votre beau-père. De quoi vous parlez au juste? Mona Tritch a été assassinée la nuit dernière entre minuit et 2 heures. Oh mon Dieu, mais... Je ne lui ai même pas parlé, elle n'était pas là quand je suis arrivée chez elle. Je suis redescendue pour attendre qu'elle rentre, et quand elle est arrivée, il y avait un homme avec elle dans la voiture. Ils sont tous les deux descendus de la voiture et sont montés chez elle. Et là, je me suis dit que c'était peut-être un client, qu'il allait rester la nuit. Alors je suis rentrée chez moi. Vous pourriez me le décrire? Non, il faisait nuit noire, et puis je n'ai fait attention qu'à elle. Et comment saviez-vous qu'il s'agissait de Mademoiselle Tritch? Eh bien, parce qu'ils sont entrés chez elle au rez-de-chaussée, j'avais vu le nom sur la porte. Et la voiture, qu'est-ce que c'était? Une Fiat Panda couleur rouille? Non, non. Une cadette, un combi rouge, il me semble. Alors, comme par enchantement surgit de votre pensée un parfait inconnu, c'est ça? Mais c'est la stricte vérité, je vous le jure. Je vous en prie, vous devez me croire, je n'ai rien à voir dans cette histoire, rien. Je sens que je vais craquer. Je repasserai. J'ai beau chercher, elle n'est pas là. Je suis certain de l'avoir posée près du téléphone. Ah, oh, Joseph. Bonjour, Margot. Comment ça va? Mal pour Mona. Pourquoi? Elle est morte. Morte? Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Elle a été étranglée dans son appartement la nuit dernière. Oh non. Mais qui a fait ça? Eh bien, on ne sait pas vraiment. Elle a d'abord été vue en compagnie d'un homme dans un combi cadette rouge, et comme sa voiture est toujours sur le parking, un client l'a peut-être accompagnée chez elle. Vous connaissez quelqu'un qui a un combi cadette rouge? Mais moi, j'en ai un. Oui. Et c'est moi qui ai raccompagné Mona chez elle. Ah ouais? Quoi? Et alors? Sa voiture ne voulait pas démarrer. Tu as raccompagné cette nana chez elle dans ma propre voiture? Mais je n'ai pas... Tu as laissé le motel sans surveillance? Tu sais bien qu'à cette heure, il n'y a plus de passage enfin, Margot. Et en plus, Mona était une excellente cliente. Je n'arrive pas à y croire. Tiens, la 24. Merci. Vous êtes également entré chez elle, non? Je me trompe? Oui, mais vite fait. Pourquoi? Elle m'a invité à prendre un verre. Je ne suis resté que quelques minutes. Ça a dû te suffire pour tirer ton coup en vitesse. J'en mettrai ma main en feu. Ne sois pas ridicule, je t'assure que c'est la vérité. Et elle était encore en vie quand je suis parti. Tu n'es qu'une raclure. Au lieu de rester à ton poste, tu te permets de prendre ma voiture et d'aller sauter cette petite catin? Non, mais où tu te crois, espèce d'ingrat ordure? Margot, ne te mets pas dans cet état, calme-toi. Ouvre grand tes oreilles. Dans 10 minutes, je veux que tu sois partie d'ici. Alors dépêche-toi d'aller faire tes valises et de décamper. Je ne veux plus te voir. Sinon, ça va chauffer pour toi. Margot, attends, on peut discuter. Dehors, fous le camp! Très bien. Merci beaucoup. Tiens, un cadeau est un cadeau. Allez, dégage! Non, je m'en vais. N'aie pas peur, je pars. Je voudrais une fois dans ma vie tomber sur un mec qui en vaille la peine. La poisse! Bon, ben...
Il faut que je file. Au revoir, Margot. Joseph. Je te promets que je repasserai. Salut. Tous des minables. Salinger, où est-ce que vous allez? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Écoutez, je suis désolé de ce qui s'est passé. Je cherchais pas à vous causer des ennuis. C'est tombé, je vous dis, c'est pas grave. Vous voulez pas que je vous dépose quelque part? Je ne sais pas où je vais encore aller. Déjà, il me faut une chambre. Je connais une pension très agréable, près de la gare. Vous voulez que je vous y conduise? Allez, laissez-vous faire, ça vous évitera des ampoules. Ça fait longtemps que vous étiez ensemble? Depuis quelques mois. Allez, vous en faites pas trop, ça va s'arranger. De toute façon, j'avais envie de changer de vie. Excusez-moi deux minutes, j'ai un coup de fil à passer. Bureau de Maître Frank, bonjour. Oui, Helga, c'est moi. Passez-moi le grand Manitou. Je suis désolée, Matula. Maître Frank est parti chez le dentiste. C'est pas grave, Helga, mais appelez-le et dites-lui ceci. Tu vois ces deux dents de sagesse à gauche et à droite? Elles font pression sur les dents d'à côté. Il faudrait les extraire. Sinon, à long terme, ta denture risque de se déplacer. Je ne vois pas ce que tu trouves à redire. Regarde, elles sont comme neuves. C'est une intervention banale. Fais-moi confiance. Et en plus, je me demande si cette façon de t'acquitter de ta dette ne va pas à l'encontre des bonnes mœurs, non? Qu'est-ce que tu fais? Maintenant, détends-toi. Tu vas respirer un grand coup, ouvrir la bouche et serrer les poings. Oui, vraiment très drôle. Je déteste les piqûres, ça me donne de l'urticaire. Maître Frank, une communication urgente pour vous. Vous voulez la prendre? Oui, pour l'instant, je peux encore. Allô, oui? Ah. Ah. Bien, Helga, merci beaucoup. Il faut que je parte. Oh non, si près du but, tu ne vas pas te dégonfler maintenant. Le devoir m'appelle encore. Salut. Rainer? Oui. Viens là. Ah oui. Tu es fantastique. Je n'ai pas eu mal une seconde. Au revoir. Vous savez, il y a quand même quelque chose de bizarre. Oui, lorsque M. Weibenberger et Mlle Tritsch ont été assassinés, vous étiez dans les parages. Et alors, c'était une coïncidence? J'en suis pas si sûr que ça. Et vous, faites attention à ce que vous dites. Mais qu'est-ce que vous faites? C'est pas le chemin de la gare. Mais où est-ce que vous allez? Chez Hans Weibenberger. Pourquoi? Mais enfin, qu'est-ce qui vous prend? Oh, je crois qu'il y a un rapport entre vous deux. Et je dirais même un rapport complice. Mais vous êtes complètement fou. Ouais, et moi je crois que vous vous appelez Diebold. La ville de Eisenach, ça vous dit rien? C'est quoi encore ces salades? Eh bien, si c'est des salades, vous n'avez rien à craindre. Allez, venez. Allez, dépêchez-vous. Monsieur Weibenberger. Freddy? Appelle-les, vois ça avec eux. Alors, qu'est-ce que tu fais là? Ah, je vois que vous vous connaissez. Ouais. Ouais, on s'est vu plusieurs fois dans le même café. Il paraît qu'on aurait le meurtre de ton père sur la conscience. Eh bien, laissez-moi vous dire une chose. Ce jeune garçon n'a rien à voir là-dedans. Et je regrette, mais je dois vous quitter. Vos clés de voiture. Mais qu'est-ce que tu fais? La voiture, t'es malade, arrête. Vos clés, tu comprendras. Mais vite, à quoi est-ce que tu joues? Dépêche-toi, va à la voiture. J'y vais. Ça te mènera à rien.
Laissez tomber, Diebold. N'approchez pas, c'est clair. Hans, s'il te plaît, écoute-moi. Hein. J'ai pris toutes les dispositions pour que tu aies un alibi solide. Je voulais couler Théo, mais pas toi. Théo ? Mais qu'est-ce que tu me racontes, essaie là ? Essaie un peu de comprendre. Il passait toujours avant toi. Mon Dieu, mais t'es complètement fou ! Je suis fou. Ton père. Tu es mon fils, mon fils. Je suis ton père. Quoi ? C'est vrai. Tu comprends donc rien ? C'est l'homme qui a assassiné votre mère, Hans. Oui, oui, bien sûr. Weibenburger a tourné les choses à sa façon, l'ordure. Hans, ta mère et moi, nous nous aimions. Et quand tu es venu au monde, elle est allée le trouver et lui a dit que tu n'étais pas son fils. Et qu'elle voulait le quitter. Il a menacé, si nous n'arrêtions pas de nous voir, de me dénoncer au service de contre-espionnage. Il avait des tas d'amis très influents là-bas. Et c'est pour cette raison que ta mère est restée avec lui. Et c'est pour ça que tu l'as tué, elle ? Oh non, bien au contraire. Je ne pouvais pas vivre sans vous et j'ai voulu m'expliquer avec lui. Mais il m'a dit que si je ne disparaissais pas, il me tuerait. Je lui ai répondu que je ne partirais jamais sans vous. Alors il a pris son arme de service, il était policier, et il m'a tiré dessus. Mais ta mère s'est jetée entre nous deux et elle a reçu la balle. Et avec ses collègues, ça n'a pas été difficile de m'accuser. Il a réduit ma vie à néant. Ne me touche pas! Et vous avez écopé de combien? 12 ans. Ça fait long. Quand je suis sorti, vous étiez passé à l'ouest depuis longtemps. Et ce n'est qu'à la chute du mur de Berlin que j'ai pu vous retrouver. Je n'y serais jamais arrivé si je n'avais appris, tout à fait par hasard, que Weibenburger voulait récupérer la maison de ses parents à Eisenhardt. Et c'est comme ça que j'ai pu découvrir où mon fils et Weibenburger vivaient. Et c'est à partir de là que vous avez décidé de vous venger. Je comprends maintenant. Toutes nos petites conversations au café, tu voulais me tirer les vers du nez. Non, je voulais te connaître, tu es mon fils. Je voulais savoir comment tu avais grandi. Et que Théo, qui est innocent, aille en prison, ça vous laissait froid, ça ne vous faisait rien. Innocent, lui, innocent. Innocent ! À l'époque, quand ça s'est passé, il était dans la pièce à côté. Il a couvert le mensonge de son père, jusqu'à aujourd'hui. C'est vous qui avez tué également Mona Tritsch, monsieur Diebold ? Oui. Mais ce n'était pas mon intention. Je voulais savoir pourquoi Hans lui avait donné de l'argent. Et elle a eu une appréhension et s'est mise à hurler. Alors j'ai été pris de panique. Et je ne me suis pas rendu compte. T'es malade, tu dois aller te faire soigner ! Je t'en prie, tu dois me comprendre. J'ai suffisamment payé toutes ces années. Ne me juge pas, mais... Mon fils. Mon garçon. Je ne veux rien avoir à faire avec toi, jamais.